Cachemire, c'est un univers rock'n'roll. On fait du rock'n'roll chanté en français. On a des influences 70s, d'où le clin d'œil Cachemire au titre de Led Zeppelin. Mais on veut chanter en français parce qu'on a quand même un sacré avantage dans ce pays, c'est d'avoir une super langue. Toute une histoire avec des mecs comme Gainsbourg, Brel, Bachung et j'en passe. Ça me fait marrer quand j'entends dire je n'ai pas peur de mourir, il faudra bien un jour partir. Là, on se retrouve dans le Magic Mirror, dans une ambiance super intime. L'interview, c'est du son dans mon salon. Je me voyais mal envoyer le boulet avec les trois cocos derrière, où on balance 115 décibels, c'est pas possible. Putain, j'ai peur de m'en trouver 6 pieds sous. Cette compo-là, elle me tient vraiment à cœur. Elle nous tient à cœur à la fin des concerts. On a des titres, surtout sur les clips, qui peuvent paraître plus légers. Là, c'est un titre qui est plus profond et ça fait partie de l'univers de Cachemire aussi. J'ai peur de ne pas voir grandir mon enfant à fond sur son tricycle, cheveux dans le vent. Mais quelle passion lui donnera l'énergie d'avancer? Quelle sera sa vie? Le groupe a démarré fin 2012. On a fait une date à la Boule Noire sur Paris en 2013, début 2013, où là, il y avait éditeur, label, attaché de presse, etc. Et un an après, on était en studio, on était super contents. Putain, j'ai peur de voir graver mon nom sur une pierre. J'avais fait d'autres albums avant. Au bout de 2-3 mois, on se dit bon, ça y est, la page se tourne et on assume plus ou moins, quoi. Celui-ci correspond toujours à notre univers et on sent qu'on peut aller encore plus loin et on a envie d'aller plus loin parce qu'on veut en sortir un l'année prochaine et on espère beaucoup plus puissant. Enfin, on va tout faire pour ça, quoi. Putain, j'ai peur de m'en trouver 6 pieds sous terre. Mon père, il a vibré au son de téléphone et j'aimerais aussi réécouter encore du son rock'n'roll. Je dis bien encore chanter en français avec des paroles puissantes. Donc Cachemire, l'objectif, c'est vraiment ça, quoi. C'est de balancer de la puissance. Rock'n'roll et toujours en essayant de s'éclater et de balancer un message qui est toujours lié en général à l'actualité. En ce moment, en plus, elle est bien débordante. Des millions, des milliards à s'agenouiller et prier. Mais pourquoi tant d'efforts sans connaître l'autre côté? Putain, j'ai peur. Le dernier clip qu'on a fait avec Dick Rivers et Didier Vampa, c'est une chanson qui peut paraître assez légère, mais en fait pas du tout, parce qu'on l'a faite 3 jours après les attentats du 13 novembre et les paroles ont été faites dans la nuit. Tous les concerts de Cachemire sont, je ne vais pas dire uniques, mais presque, parce que en fonction du public, en fonction de la réaction des gens, eh bien, on va discuter différemment et je vais prendre des gens à un aparté, etc. Donc c'est ça qui nous plaît, c'est le côté one shot. Et il n'y a rien d'écrit. On voit comment le public réagit et voilà. Je vais graver mon nom sur une pierre.